Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où vous allez pouvoir voir le retour donc de Fanny après la première séance d'accompagnement de ce processus de coaching. Et elle partage en particulier ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a apprécié par rapport à un exercice que je lui ai proposé de faire pour mieux connaître ses valeurs. Voilà. Je la laisse en parler, je vous retrouve juste après. Mais écoutez, ça va. J'ai revisionné la séance en fait seulement hier. C'était intéressant parce qu'en effet, même si j'avais pris quelques notes et en fait j'avais oublié pas mal de choses que j'avais dites. C'était bien de les revoir, de remettre un petit peu tout ça en ordre. Et puis oui, au niveau des valeurs, je me suis rendu compte que c'était pas si simple que ça. Puisque on a plein d'idées et plein de choses qu'on trouve quand même importantes. Et au final, il y en a qui sont, oui, en effet, largement plus que d'autres. Et ce n'est pas forcément évident d'en trouver que 10 aussi. Alors que ça paraît beaucoup, 10 déjà. Et voilà, donc en effet, vous avez peut-être vu le commentaire que j'ai mis, mais c'est vrai que c'est intéressant et c'est nous en même temps, et c'est vrai qu'on à aucun moment en fait, là oui du coup, mais on nous pointe l'importance de ça, alors que c'est ce qui nous définit aussi par rapport au monde, par rapport aux autres. Et c'est vrai que si déjà en tant qu'enfant, même si bien sûr avec en grandissant on évolue, mais si déjà en tant qu'enfant on avait cette connaissance de soi et cette vision de soi, on saurait mieux vers quelle direction aller. Je pense, en tout cas, oui, c'était très intéressant de pouvoir voir ça. Donc cet exercice des valeurs, si vous souhaitez le faire, eh bien je vous laisse cliquez sur le lien qui est sous la vidéo. Vous pourrez voir que c'est très simple et en même temps très puissant pour mieux se connaître et mieux savoir ce qui est important pour nous. Voilà, je vous retrouve dans la prochaine vidéo avec le retour de la fin de ce deuxième rendez-vous. Vous allez voir ce qui s'est passé. À bientôt!